Salut les filles, ce soir a lieu la grande finale du concours Startup 2017. On va enfin savoir qui de Noémie et Myriam et leurs nuisettes en coton bio ou de Aline et Julie et leur projet Oh My Box remportera les 5000 euros d'ING et la campagne marketing dans Flair. Un petit peu nerveuse ce soir. Un petit peu tendue quand même, un peu de stress, oui, ça fait du bien. Alors vous, votre projet, c'est des nuisettes en coton bio. Alors pourquoi est-ce que le bio a une importance particulière pour vous? Alors le bio, c'est très important parce que c'est le respect de l'environnement tout d'abord et puis le respect de l'humain. Donc d'abord, la personne qui va porter la petite nuisette en coton, ben, ça sera mieux pour son corps. Et puis aussi, surtout, quelque chose qui me tient à cœur, ce sont les gens qui vont travailler, qui vont coudre, seront respectés. Et ça, c'est très important pour moi. Alors, pourquoi avoir participé au concours Flair ? Mais c'était une opportunité pour nous de tester notre projet peut-être à plus large échelle, de voir si ça touchait un public un peu plus élargi que celui qu'on touche aujourd'hui. Et voilà, une opportunité de se faire connaître en fait. Et donc Oh My Box, ça s'adresse à quel genre de public ? Donc ça s'adresse à tous les enfants en fait et à tous les parents, mais spécialement à ceux qui sont pressés et qui voudraient gagner quelques minutes précieuses le matin. Pour qu'on puisse, nous on prépare la boîte à tartiner aux enfants et ça fait gagner vraiment du temps précieux. Donc c'est vraiment aux gens pressés qui sont soucieux de l'alimentation aussi, parce qu'on propose des produits, une boîte avec des produits frais, de qualité et donc voilà, il faut être sensible à l'alimentation durable, locale. Pourquoi est-ce important pour Flair d'organiser un tel concours ? Alors parce que chez Flair, on veut encourager les jeunes femmes à entreprendre. Chez Flair, on aime bien mettre en avant, valoriser les portraits de femmes inspirantes. C'est ce qu'on fait chaque semaine dans Flair. Et l'idée nous est venue d'aussi donner un coup de pouce à toutes ces jeunes femmes qui ont plein d'idées mais qui n'ont pas forcément les moyens de les concrétiser, parce qu'il y en a énormément chez nous. Et donc on avait vraiment envie de valoriser, de mettre en œuvre ce potentiel. Et voilà, et la preuve, c'est que ça fonctionne parce qu'on a chaque année de plus en plus de candidatures. Alors Laura, quel est ton meilleur conseil pour se lancer ? Alors pour se lancer, je dirais que déjà avoir une bonne idée et être sûr de son idée et avoir confiance en son projet. Et puis foncer et pas trop réfléchir et aller jusqu'au bout de son idée. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être aujourd'hui membre du jury du concours Startup ? Transmettre la passion, transmettre la motivation, transmettre l'énergie, donner vraiment tout ce que je peux pour encourager vraiment toutes les équipes qui ont rendu leur projet pour le concours Startup Flair. Et Oh My Box.